petit clip qui a été réalisé pour présenter le logo de la candidature, qui est normalement sur la musique de Tilassine, un artiste avec qui on a travaillé, qui a été en résidence dans tout le Massif Central, mais que vous pouvez écouter sur le site internet. Et du coup, ce logo qu'on appelle le Volcamour a été dessiné par Jean-Charles de Castelbajac. Et il est vraiment, on le veut vraiment rassembleur. En tout cas, on veut vraiment qu'il illustre cette candidature-là. On y retrouve voilà, le volcan forcément et des éléments vraiment de cette candidature qui est une candidature de partage, voilà, d'amour. Donc du coup, peut-être se représenter rapidement. Donc moi, je suis Violaine Moreau. Je travaille du coup pour l'association dans le pôle des publics et je suis responsable des publics et de l'inclusion. L'inclusion, c'est très important dans ce projet de candidature parce qu'on veut vraiment que ce qu'on va proposer en fait parle à tout le monde, à tous les citoyens vraiment dans toute leur diversité et que tout le monde puisse se reconnaître dans ce projet de candidature. Donc Guillaume Delpirou, donc au sein de l'équipe, je m'occupe de la partie, enfin, du pôle dédié à la promotion du patrimoine, en fait des patrimoines matériels et immatériels, et également des actions dédiées à la recherche, la promotion effectivement à la recherche, et donc en lien effectivement avec l'université. Et avec également une deuxième casquette, je suis également le chef de projet pour 2023, cette fois-ci, de la célébration des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Alors le lien est important aussi parce que, enfin, il était important que cette deuxième manifestation, cette manifestation soit aussi portée par une structure comme la capitale européenne. D'abord parce que nous, en tant qu'opérateurs culturels, on a une vision un peu satellitaire de l'ensemble du travail des opérateurs. Cette année-là, il faudra coordonner le travail d'un grand nombre d'opérateurs culturels. Et puis aussi, par un hasard assez heureux du calendrier, on dépose le dossier, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fin de l'année 2022. Mais en 2023, c'est l'année du choix, de la sélection, d'abord une présélection, ensuite de la sélection. Et donc le jury va avoir vocation à venir dans les villes présélectionnées et à pouvoir mesurer la capacité à faire villes qui se présentent. Et c'est vrai qu'avoir une année qui sera une année de célébration et de promotion et de présentation en fait, de ce que peuvent faire les opérateurs, ça va être une année un petit peu carte de visite hein, qui permettra de montrer ce que nous pouvons faire en termes de patrimoine, spectacle, production, résidence d'auteur, résidence de création dédiée à ce sujet précis qui est celui de Blaise Pascal. Parfait. Du coup, peut-être avant de rentrer dans le détail du projet Clermontois, on va vous rappeler brièvement ce que c'est qu'une capitale européenne de la culture. Donc, c'est un programme européen qui a été lancé en 1985 et dont le but est vraiment de promouvoir la diversité des cultures en Europe. Jusque-là, on s'était aperçu que voilà, l'Europe avait beaucoup d'entrées économiques, on avait oublié, on avait mis un petit peu de côté la culture et on s'est dit, il faut un programme qui puisse mettre en valeur toute la diversité de ces cultures européennes et pouvoir renforcer le sentiment d'appartenance à cette Europe. Donc, voilà le programme qui est lancé avec Athènes comme première ville européenne, avec la ministre Mélina Mercouri. Donc, on a un processus en fait qui est à peu près tout le temps le même. On a deux pays qui sont désignés chaque année pour accueillir une capitale culturelle européenne. Et donc, dans ces deux pays, chaque ville à l'intérieur de ces pays peut candidater. On a parfois un troisième pays qui peut désigner une ville, un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne même, mais qui soit est postulant pour entrer dans l'Union européenne, soit fait partie du marché économique commun. Donc voilà, en 2028, en tout cas, c'est la prochaine fois où une ville française accueillera une capitale européenne de la culture. Donc c'est pour ça voilà, qu'on candidate pour cette échéance-là. Et donc on sera avec la République tchèque, qui proposera elle aussi une capitale européenne de la culture. Juste peut-être que vous ayez en tête un petit peu les évolutions du programme depuis 1985. Au début, forcément, on avait beaucoup de grandes villes capitales qui se sont présentées et qui ont été capitales culturelles européennes. Il y a eu Berlin, il y a eu Paris, voilà, d'autres grandes villes capitales, tout au début du programme. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les années ont passé, on a eu des villes qui étaient plus modestes en termes de taille et surtout on a vu apparaître des villes qui ont souhaité associer en fait un périmètre autour de leur candidature. Même si c'est toujours une ville qui porte la candidature, elles peuvent y associer une région.
On a eu par exemple récemment Galway en Irlande qui a associé toute la baie de Galway. Voilà, c'est des choses qui se font de plus en plus. Et on note aussi que les villes sélectionnées sont de plus en plus souvent des villes qui ont des problématiques de reconversion industrielle, par exemple. On a beaucoup ce genre de choses, en tout cas des villes qui sont en pleine mutation. Et en plus, un projet qui soit un projet stratégique. C'est vraiment une stratégie de long terme. C'est pour ça que dans les dossiers, on va trouver effectivement des projets d'établissement, par exemple, qui présentent la progression de leur développement, mais aussi une stratégie qui doit être composite, qui peut intégrer par exemple des créations de formations, ce qui a été le cas de Lille par exemple. Vous avez des formations dédiées à l'action culturelle, et on trouve encore, alors que leur candidature remonte maintenant à assez longtemps, on retrouve encore chaque année des promotions d'étudiants sortant de filières universitaires dédiées à l'action culturelle de différents niveaux et qui sont nés à ce moment-là. Voilà, métiers de la culture qui ont vocation à produire donc des professionnels aguerris, pas forcément pour cette région-là, mais dans l'ensemble de la France. On retrouve d'ailleurs, je peux vous signaler c'est à Ambert, vous avez une structure qui s'occupe de l'action culturelle d'Ambert, qui s'appelle le BIEF, qui travaille beaucoup sur les arts plastiques. Et bien, l'une des personnes qui anime cette structure vient de cette formation à Lille, par exemple. Voilà. Donc vraiment, il y a une question stratégique importante. Exactement. Et puis quand on parle de culture, on est vraiment sur la culture au sens large. On ne se limite pas forcément aux pratiques artistiques. C'est un projet aussi qui englobe finalement aussi le cadre de vie, en tout cas la physionomie de la ville. Il y a aussi beaucoup d'urbanisme, beaucoup la mobilité, c'est important. On l'a vu avec Marseille, Provence par exemple. Leur candidature, c'était aussi un vrai projet d'urbanisme, de renouvellement. De tout un quartier. Exactement. Voilà, oui. La création du Muséum, mais pas que. Évidemment du Muséum, mais derrière ça, il y avait toute la reprise du quartier qui était concernée, plus également une friche industrielle, pas loin de la gare, dans laquelle se trouvait une librairie participative et ouverte, des endroits dédiés à la production d'art plastique également, et derrière ça ensuite, on retrouve les friches dans lesquelles maintenant se tournent des séries pour la télévision et le cinéma, et donc on a eu derrière ça de la rénovation urbaine également. Voilà, donc on peut vraiment parler de stratégie urbaine complète en fait. Et puis il faut vraiment que le projet, c'est pas des projets qui peuvent être calqués d'une ville à une autre, il faut vraiment que ça corresponde à une réalité de la dynamique de la ville pour que ça fonctionne. Il faut vraiment que ça s'inscrive en fait dans un mouvement qui soit global. C'est pour ça que quand on en parlera un peu tout à l'heure des parties prenantes, de la gouvernance autour du projet, il faut vraiment que tous les efforts, toute cette synergie aille dans le même sens. Voilà, c'est-à-dire que c'est un projet qui ne doit pas être transposable, enfin on peut s'inspirer, mais en tout cas c'est un projet qui est ancré dans son territoire, et qui ne peut pas se faire sans l'assentiment, l'accompagnement des opérateurs culturels, des institutions, de la population elle-même, pour vraiment que chacun s'en empare. Alors en fait, là, c'est pour le coup réellement un projet de territoire, d'identité en même temps. Et donc pour revenir aux critères, un critère vraiment très important également, c'est la dimension européenne. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout un projet européen. Et du coup, il faut montrer comment notre projet, en tout cas notre territoire, dialogue avec l'Europe. Comment est-ce qu'on peut nouer, alors même au-delà des partenariats, ça peut être des partenariats, mais en tout cas, comment ce territoire-là s'inscrit dans le territoire européen? Comment est-ce que peut-être ce territoire peut être un territoire d'expérimentation pour ensuite montrer à l'Europe voilà ce qu'il est possible de faire sur plusieurs sujets? En tout cas, voilà, ça c'est quelque chose de très très important. Et avec deux notions aussi, c'est à la fois effectivement, il y a un aspect de création, c'est-à-dire de montrer que ce projet qui va être bâti, construit, imaginé a sa dimension européenne. Et puis comme pour le bâtir, il faut faire une analyse du territoire, une analyse de ce qui se passe, du travail, des festivals, des opérateurs. Là. Et on s'aperçoit qu'aussi, on arrive à une sorte de conversion du regard sur ce qui se passe déjà et ce que l'on voit. Un exemple, à Brive, qui fait partie du Massif Central, vous avez un festival de cinéma qui va se passer la semaine prochaine, justement, c'est pour ça que je vous en parle, qui s'appelle les Rencontres européennes du moyen-métrage. En Europe, il n'y a pas de festival dédié au moyen-métrage, qui est une forme très très particulière. Et pourtant, depuis une vingtaine d'années, vous avez ces rencontres européennes, c'est un vrai parti pris, porté par une
structure qui est la Société des réalisateurs français, la SRF, la Société des réalisateurs français, donc qui est la même qui organise la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc on est vraiment sur une proposition de très haut niveau, de professionnels et à dimension européenne. Elle existe, mais la capitale européenne, ils font partie des opérateurs qui accompagnent le projet de capitale européenne, on les a repérés, ils ont adhéré à l'association, nous permettra de mettre encore un focus sur une attention portée particulière, voire même un accompagnement pour les éditions prochaines et la 2028, évidemment, si on emporte le titre, sur une action qui se passe déjà. Mais de même, vous avez d'autres établissements qui ont aussi une dimension européenne importante. Et cette candidature doit permettre également à faire en sorte de valoriser considérablement le travail européen qui peut par ailleurs être déjà fait, mais qu'on voit peut-être pas forcément, qu'on discerne peut-être pas forcément également. Et dans ce que tu dis là, ce qui est important, ce que tu soulignes aussi, c'est que cette candidature, elle n'a pas pour vocation de tout réinventer. Et qu'on est aussi là pour, enfin, elle est aussi là, cette candidature, pour donner de la visibilité aux initiatives qui sont déjà portées, donner un rayonnement peut-être, permettre un rayonnement plus grand, ou en tout cas, c'est vraiment le but, voilà, de valoriser en fait toutes les initiatives locales. Dans les critères, si on continue, on a évidemment le contenu culturel et artistique qui est très important, et du coup, qui nous pose la question de comment on associe les grandes institutions culturelles, mais pas seulement. Il y a aussi toutes les associations, toutes les petites compagnies, voilà. Il faut aussi prendre tout ça en compte. Et il faut aussi proposer un projet qui ne sera pas daté en 2028. Parce que là, on propose un projet maintenant. Vous avez vu comme le monde évolue voilà, à vitesse grand V. Il faut aussi se faire un peu de prospective finalement et d'imaginer quel va être le monde, quelle va être la création en 2028 et se poser la question aussi de l'émergence artistique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on favorise aussi une émergence artistique dès maintenant pour 2028. La gestion du projet, alors là, voilà, ça va avec le critère capacité de réalisation, c'est-à-dire qui est-ce qu'on embarque autour de la table pour ce projet. Et là, effectivement, il nous faut le plus de parties prenantes possible pour ce portage du projet, pour la gouvernance et au niveau budgétaire aussi. Ça, c'est une question très importante. L'Europe va évaluer est-ce qu'on met bien les moyens à la hauteur aussi de nos ambitions. Parce que finalement, il y a une somme qui va être allouée au vainqueur, enfin à la ville désignée, mais qui n'est pas très importante au regard des budgets des capitales européennes de la culture. Donc c'est comment est-ce qu'on met tout ça aussi en marche. Et puis, un critère qui est vraiment un des critères aussi très importants, c'est la portée de l'opération. C'est-à-dire comment cette action en fait, va générer des opportunités nouvelles pour les publics, pour les habitants, et en particulier pour les publics qu'on dit parfois marginalisés, un peu éloignés de la culture, pas forcément voilà, le public habituel, et puis surtout au niveau de la jeunesse. Comment est-ce qu'au niveau des scolaires, du milieu éducatif, comment ça va voilà, catalyser un petit peu tous les efforts. Voilà, je crois que j'en ai pas oublié, capacité de réalisation donc avec gestion du projet. Donc ça, c'est vraiment les critères principaux et c'est très normé. En fait, le dossier qu'on va rendre, c'est vraiment de répondre à des questions qui portent concrètement comment vous avez imaginé la portée de l'opération, comment, voilà, c'est très, 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 très normé. Donc là, je vous ai mis quelques petites photos comme ça pour illustrer différentes capitales européennes. Alors évidemment, c'est ce qu'on retient en fait, les temps forts, rassembleurs. Mais durant une année, enfin durant ce processus, il y a aussi beaucoup de choses qui se font un peu plus en souterrain, des choses qui se construisent en fait avec les parties prenantes qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont essentielles. Voilà, maintenant qu'on a un peu balayé le portrait de qu'est-ce qu'une capitale européenne, maintenant parlons du projet Clermontois. Vous se posez la question, Clermont-Ferrand, Massif Central, capitale européenne de la culture en 2028. Voilà. Pourquoi ? Déjà, pourquoi candidater ? Oui, c'est vrai, pourquoi se lancer dans cette aventure ? Mais il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est d'accompagner un développement territorial. On le sait, la ville est en mutation, il y a beaucoup de projets qui se font. Donc, c'est aussi l'occasion, d'avoir cet objectif final et de pouvoir se dire que cette candidature, elle vient aussi accompagner tous ces changements. C'est aussi, on le sait très bien, quand on est capitale européenne de la culture, c'est aussi d'un point de vue de l'image, en tout cas d'un point de vue du médiatique, ça a voilà, un retentissement sur l'image de la ville. On sait que Clermont souffre parfois
d'une image. Soit on a une image un peu négative de Clermont, voilà, une ville noire, on va pas revenir sur les clichés, soit on n'a pas d'image du tout. Enfin, c'est vrai que voilà, quand on va un peu à l'extérieur, on a ça. Donc c'est aussi de montrer voilà, les atouts de cette ville. Évidemment, c'est de mettre la culture au cœur des politiques publiques. C'est l'occasion aussi de replacer la culture au centre, c'est-à-dire qu'on va interroger par la culture. On parlait de l'urbanisme, par exemple, tout à l'heure, mais ça pourrait être quand on a des projets de renouvellement urbain. On sait qu'il y a parfois des concertations qui ont, même souvent, et sont des concertations obligatoires avec les habitants, avec les parties prenantes. Ben pourquoi, justement, à l'occasion de cette capitale européenne de la culture, on ne se dirait pas, ben on fait intervenir des artistes, on change un peu la physionomie de ces rencontres-là, peut-être que ça peut faire émerger de nouvelles choses. Voilà. L'idée, c'est aussi d'expérimenter. C'est un peu un prétexte à l'expérimentation. Et puis ensuite, évidemment, on espère des retombées économiques, sociales. On sait que on a les chiffres pour Marseille-Provence. On sait que pour 1 euro investi, ils ont eu 6 euros de retombées. Voilà, 5-6 à peu près. Voilà, ça fait déjà même pratiquement... dans les années 2012, 13, 14, on a commencé à faire des études assez fines maintenant sur les retombées économiques des manifestations culturelles. Le Centre national du livre l'a fait en 2014, de mémoire, sur les retombées économiques des manifestations littéraires, par exemple. Mais l'économie accessoire liée à l'action culturelle est maintenant quelque chose qui commence à être assez bien documenté, sur le tard, mais enfin on le fait maintenant, assez bien documenté, assez bien référencé, et on sait que tous les territoires dans lesquels vous avez des festivals, et on l'a vu justement quand on ne peut pas tenir des festivals à cause du Covid, on voit évidemment les problématiques que ça peut poser. Lorsqu'une ville devient un lieu d'émulation culturelle, et bien derrière cela, il y a forcément des moyens de transport, une hôtellerie, des restaurants, mais derrière ça, un emploi culturel, et l'emploi culturel, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que toutes les professions du spectacle, intermittents, mais pas seulement, costumes, maquillage, etc. Enfin, toutes ces professions qui s'associent, le travail de la production, les métiers de la sécurité également, puisque maintenant, la sécurité est une chose extrêmement importante. Les métiers de la sécurité sont des métiers, en plus, dédiés au spectacle. L'accès, la sécurité, les plan, malheureusement aussi, Vigipirate, rouge renforcé, etc., depuis un peu moins d'une dizaine d'années, font maintenant partie intégrante de cette activité et de ce secteur, avec des spécialités, avec des formations également, et qui formation, donc des filières et recrutement dédiés. Donc l'aspect effectivement économique est éminent, touristique aussi, et social derrière, parce qu'on ne vient pas tout seul, on vient aussi... en famille, donc ce sont des données à prendre en compte. Et on voulait vous rappeler aussi, on parlait tout à l'heure de temps long, en tout cas de projection dans le temps long, on voulait vous rappeler que ce projet de candidature clermontois, il date pas d'aujourd'hui en fait. Il se prépare depuis au moins 2015, en tout cas il était un peu en gestation avant, mais la première pierre en fait à ce projet, elle date de 2015. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur de la préparation bien en amont. On a eu en 2015, je vous montrerai quelques petites slides après, mais les états généraux de la culture qui ont posé aussi un petit peu les choses justement en matière de culture à Clermont, qui ont abouti au schéma culturel de la ville, la politique culturelle de la ville sur plusieurs années jusqu'en 2026, et qui ont permis de concerter, cette fois-ci c'était vraiment une concertation des habitants. Alors il y a eu des cafés culture, il y a eu des concertations dans les écoles, la jeunesse, il y a eu les petits généraux de la culture qui ont abouti à 60 mesures pour la culture à Clermont-Ferrand et ce schéma culturel. Donc ça a été la première pierre. Et du coup, en se disant, ben voilà, est-ce que tous ces efforts-là ne pourraient pas avoir en ligne de mire ce titre de capitale européenne de la culture, en fait, de vraiment se désigner un objectif. Et du coup, après ça, en 2017-2019, on a eu le cycle effervescence. Alors là, je vais passer rapidement les slides pour vous. Donc voilà, ça, c'était les états généraux de la culture. Le cycle effervescence, là... Effervescence, ça a été un peu comme un ovni dans le paysage clermontois. En fait, on a voulu avec Effervescence montrer qu'on était capable d'organiser de grands événements culturels regroupant beaucoup de publics en même temps.
On a voulu aussi expérimenter, c'était ça vraiment l'idée. Donc il y a eu ce lancement à l'Hôtel Dieu en 2017, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, mais bon, on a eu 50 personnes en 3 jours, on a vu qu'il y avait vraiment une appétence aussi... oui, 50 000, j'ai dit quoi? J'ai dit 50? 50 000 personnes, un peu plus. On a vu qu'il y avait vraiment une appétence du public pour ce genre d'événement, en tout cas, on répondu présent. Et puis surtout, on s'est dit, on va essayer de travailler un petit peu différemment à cette occasion-là. On va essayer de sortir un peu des silos et puis de mettre autour de la table des artistes avec des urbanismes, avec des professeurs, avec des associations. Et on va voir, on va essayer de secouer tout ça et puis voir ce qui peut en ressortir. Et donc, on a eu ces 3 années, alors avec plein de propositions très diverses. On a eu voilà, des grands temps forts rassembleurs. On a eu les rendez-vous secrets aussi. Je ne sais pas, peut-être vous vous en souvenez, mais ces petits rendez-vous petites jauges où on ne savait pas ce qu'on allait voir, on ne savait pas où, on ne savait pas avec qui, mais qui ont très bien fonctionné sur ces périodes-là. Et puis des projets un peu plus longs d'exploration, de résidences artistiques sur le territoire, notamment dans les différents quartiers avec tours de table où là on a pu travailler. Alors c'est un peu de la dentelle aussi, c'est ça qui est parfois un peu difficile à comprendre, c'est que toute cette participation, enfin toute cette implication des habitants, des parties prenantes, eh bien ça prend du temps. C'est vrai que parfois on veut des résultats rapides, mais il faut bien comprendre que ben, finalement c'est beaucoup d'humains, il faut rencontrer les gens, il faut aller sur le territoire, il faut voir comment ça fonctionne ici ou là, s'inspirer, nouer des relations. Et c'est vrai qu'effervescence, c'était vraiment le prémisse à cela. Vraiment l'idée d'expérimenter, de tester. Des choses ont marché, des choses n'ont pas marché, mais en tout cas, ce qui est positif, ce qu'on a retiré de ça, c'est qu'il y a une vraie volonté locale, aussi bien des acteurs, des parties prenantes que des habitants pour ce genre de manifestation, d'événements. Donc ça, ça a été effervescence. Et puis si je reprends un petit peu les étapes, on a eu ensuite en 2019 jusqu'en 2021 une phase plus de réflexion collective autour vraiment du concept de cette candidature. En gros, on s'est interrogé pour savoir ben, qu'est-ce qu'on veut raconter avec cette candidature. Donc là, ça a été l'époque des groupes de travail. Il y a eu plein de groupes de travail qui ont été menés un peu en parallèle. D'une part avec les institutions, les élus, avec les personnels ville, métropole, avec des habitants, des associations, les acteurs culturels, pour aboutir un petit peu à ce qu'on... Voilà, qu'est-ce qu'on veut raconter avec cette candidature. Et de là sont sortis 4 axes qu'on vous présentera tout à l'heure. Et puis 2021, la création de l'association. Il faut savoir qu'auparavant, le projet était porté par la ville de Clermont-Ferrand. En tout cas, c'était une mission au sein de la ville de Clermont-Ferrand. Et 2021 a vraiment marqué la création de l'association, en tout cas l'ouverture du projet au plus grand nombre. Parce que ça permet aussi aux collectivités, aux institutions, aux individuels d'adhérer à l'association et d'être partie prenante dans le fonctionnement quelque part un peu démocratique quoi, du projet. Donc ça a été vraiment un temps fort. Et puis là, vous voyez, on vous a remis un petit peu les principales étapes, dépôt de dossier, donc 2022, désignation et 2028, année du titre. Donc si on passe un petit peu rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. Donc là, nous sommes constitués en association depuis le 1er janvier 2021. Notre présidente est Cécile Coulon, donc très... pas de meilleure ambassadrice du territoire que Cécile Coulon. Elle nous fait l'honneur d'être notre présidente, donc on est ravis. Le projet qui est porté par l'association, c'est vraiment de faire pour en fait les habitants. C'est-à-dire qu'on va faire vraiment des choses en collectif, on va faire ensemble, c'est ça en fait. Il y a vraiment cette notion du public au centre du projet. On ne fait pas le projet et après on cherche à agréger du public. On pense vraiment public dès la construction, dès le cheminement en fait, dès la pensée. Et pour ça, justement, dans la construction du projet, ce projet est rythmé aussi par des temps de travail sur des thématiques très identifiées. On est en train d'organiser pour le mois d'avril qui s'ouvre avec un certain nombre de sujets qui ont été identifiés, comme le thermalisme, comme l'écosystème du cinéma et de l'image animée et non animée, la photographie au plan du Massif central, la ville à hauteur d'enfants, les prises en compte des friches industrielles, voilà. Et donc, dans ces laboratoires,
et la culture scientifique également. Et donc pour ces laboratoires qui vont se dérouler en plus dans tout le Massif Central, pas à Clermont-Ferrand intramuros, évidemment, dans tout le territoire du Massif Central, on invite des spécialistes de la question, des professionnels de la filière à venir réfléchir, travailler sur des sujets qui peuvent être des sujets rassemblant... rassemblant, disons, ben, l'ensemble de leur de spécialistes de la question, mais également rassemblant des non-spécialistes, des opérateurs de la culture ou tout simplement des personnes intéressées par le sujet. Voilà. Donc cette dimension participative et de co-construction est tout à fait essentielle. Mm. Donc là, on vous a mis un petit peu, pour humaniser cette équipe, on vous a mis un petit peu les personnes qui travaillent dans l'association. Et donc, vous rappelez les enjeux et surtout le périmètre de cette candidature, parce qu'on en parle depuis le début, mais c'est vrai que c'est bien de rappeler ça. On était sur une candidature au départ Clermont-Ferrand Métropole, mais qui a été élargie au Massif Central. Les autres villes sont Amiens, Bastia, Bourges, Nice, si vous voulez noter, Reims, Rouen, Saint-Denis, Montpellier depuis peu. Et la particularité de la candidature portée par Clermont-Ferrand, c'est qu'elle l'est par Clermont-Ferrand, mais au titre du Massif Central. Et on est la seule ville qui porte une candidature au titre d'un territoire aussi grand, et qui en plus a la particularité d'être un territoire composite sur le plan, alors là, institutionnel, et depuis 2015, la mise en œuvre 2016 et la loi NOTRe, c'est-à-dire composé de 4 régions. Et là, ça rend les choses un petit peu compliquées, mais surtout beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire que on se retrouve dans ce territoire donc de 22 départements, comportant donc des ex-régions, ex-formations, notamment l'Auvergne d'une part et le Limousin d'autre part, mais aussi un peu du nord de ce qu'est l'Occitanie maintenant, un petit morceau de la Bourgogne également, pour arriver à ce grand territoire. Et donc là, on fait faire un petit développement sur justement cette question du Massif Central, qui a rendu justement la candidature vraiment intéressante, pertinente, et c'est une des forces justement de la candidature de Clermont-Ferrand. Présenter, poser, placer Clermont-Ferrand comme la capitale du Massif Central et emporter un projet à l'échelle de ce territoire, ça nous permet d'exploiter à fond ce que peut être la potentialité d'une capitale européenne. J'entends par là que il y a donc quelques mois, on a organisé une journée une sorte de colloque, on a fait ça au Jardin Lecoq, très ouvert, avec en faisant intervenir des personnes spécialistes venues de tous les horizons. Alors des géographes, des artistes, des personnes spécialistes de la cuisine, de l'agriculture, des fromages, enfin, etc. Et on leur posait une question: pour vous, qu'est-ce que c'est que le Massif Central? Le Massif Central, c'est quoi en fait? Et on a commencé avec des cartes, évidemment. Donc on sort des cartes, et puis on explique d'abord que le Massif Central, c'est une invention. C'est une invention récente. Jusqu'au milieu du 19e siècle, il n'y avait, pour ainsi dire, pas de réalité à cette espèce d'entité, qui est pourtant une entité géologique. Et donc, on a commencé à faire des cartes, à identifier effectivement cet espace dans lequel les lignes de partage des eaux sont importantes. Mais dans lesquels la géologie est une notion éminente, et donc on a des géologues qui vous expliquent ce que peut être le Massif Central, le grand Massif Central. On commence à avoir quelques cartes. Et puis quand on commence à échanger avec des artistes, avec des spécialistes des musiques traditionnelles, par exemple, je pense à une structure comme l'Agence des musiques traditionnelles à Rion, l'AMTA, mais qui a son pendant, qui est le CRMTL en Limousin, on vous explique aussi, c'est un territoire dans lequel on va trouver l'utilisation de certains instruments particuliers, un répertoire, certaines langues régionales, pas d'autres, l'occitan, mais pas que. Et soudain, on commence à avoir une cartographie qui se dessine, des usages, des pratiques, en termes de cuisine, par exemple, avec une certaine unité, des produits qu'on utilise pas, qu'on utilise un peu moins. Et soudain, on s'aperçoit que toutes ces définitions mises bout à bout composent un faisceau qui concourt à la création d'une entité dont les contours commencent à se dessiner de manière assez précise.
Et on s'aperçoit que la vraie définition du Massif central, eh bien, au final, c'est une définition sensible. C'est une définition sensible. Avec une justification géologique, avec un peu de justification historique, mais pas complètement. Avec ce que je vous disais, des justifications sociologiques, mais pas complètement. Et on arrive à cette définition sensible. Alors, tout ça a été cristallisé aussi de manière administrative avec un commissariat dédié au Massif central, qui est une entité administrative, avec des représentations des conseils régionaux, une nouvelle forme, une nouvelle région, avec toujours un préfet coordonnateur et un certain nombre de missions qui lui sont dédiées, dévolues. Bon. Mais il n'y a pas de volet culturel. Et c'est vrai que l'association Clermont-Massif central peut devenir et a vocation, et on a certaines missions, notamment au niveau de la gestion d'un observatoire des publics, analyser les publics du Massif central, les pratiques des publics du Massif central, peut avoir la vertu de travailler sur cette question de l'action culturelle dans le Massif central. Voilà, donc, cette entité, elle existe, et ce qui est aussi paradoxal, et ce qu'on a fait observer le jour de ces conversations, c'est que le Massif central associe de particulier de ne pas exister au plan de la cartographie. Je vous mets au défi de trouver une carte du Massif central d'accès libre ou d'accès facile. Lorsqu'en 2015, on a imaginé, et certains ont voulu anticiper, le découpage des régions, Michelin avait construit une carte qui se composait en fait de la carte de l'Auvergne et de la carte du Limousin. Cette carte, on peut la retrouver encore sur Internet, elle est très difficile à trouver, mais elle a été vendue à quelques exemplaires, sauf que quand est arrivée la vraie carte du découpage des régions, on s'est aperçu que le Massif central était écartelé, en fait, entre Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, cette carte n'existait pas, en fait. Et ce qui fait que maintenant, si vous allez au volcan, par exemple, traverser la rue, chercher une carte du Massif central, vous n'en trouverez pas. Ça n'existe pas. Pour avoir une carte du Massif central, il faut rassembler pratiquement quatre cartes de carte Michelin, par exemple. D'ailleurs, on est en train de travailler avec Michelin pour bâtir, créer une vraie carte du Massif central. Et ça, c'est assez symptomatique. Mais en fait, c'est tout à fait vrai ce que je dis. Il y a les productions effectivement du commissariat Massif central, mais vous avez une structure qui est l'association des villes d'eau, des villes thermales, qui, elle, a des villes thermales sur l'ensemble du Massif central, et qui, dans sa communication, met en avant la notion de Massif central et la carte du Massif central. Mais, je vous modifie, cherchez des documents sur lesquels vous trouverez d'accès libre ou d'accès facile des cartes du Massif central. C'est extrêmement complexe. Et pourtant, ce qui est paradoxal, vous entendez le terme de Massif central 50 fois par jour. Et vous avez le sentiment d'en être ou pas au moment de la météo. Vous vous levez le matin. Là, il fait beau, là, et sur le Massif central, compliqué. Il fait chaud partout, et Massif central... Ou le contraire, à l'exception de Riac, qui est évidemment la ville... Je dis ça pour nos amis de Riac. Voilà, c'est un objet, c'est une entité qui n'existe pas, mais dont on vous parle 50 fois par jour pour vous dire qu'il y fait beau ou qu'il y fait pas beau, et le pire, c'est que ça vous parle. Ah oui, c'est vrai. Et si vous n'habitez pas dans le Massif central, si vous habitez dans le nord de la France, et vous avez un cousin qui est à Aurillac, Chazeron, encore, et là, et il saura qu'il fait beau ou pas dans le Massif central. Parce qu'il y a cette espèce d'attachement sensible au lieu. Et ça, c'est tout à fait spécifique à ce territoire. Et c'est pour ça que, quand on commence à tirer le fil, on a cette définition sensible. Et c'est vrai que dans une définition de capitale européenne, travailler sur ces sujets-là, pourquoi on fait territoire? Pourquoi on fait territoire? Est-ce que c'est... Pourquoi on se sent du Massif central? Pourquoi est-ce qu'on se sent pas? Le Massif central, c'est quand on commence à voir le puits de Dôme. C'est quand on commence à voir la chaîne des puits. C'est quand on est dans le Forez, ou alors que c'est quand on est dans la chaîne des puits et qu'on voit de loin le Forez. C'est toutes ces définitions-là qu'il faut, tous ces éléments-là qu'il faut collecter, qu'il faut analyser, et ensuite comment on fait territoire avec ça. Donc c'est toute cette masse que l'on travaille. Donc effectivement, chaque ville va défendre un projet bien distinct et en lien en fait avec sa physionomie. Voilà, je voulais juste remettre ces slides pour bien rappeler qu'on est vraiment sur une candidature qui se veut la plus inclusive possible et qui met personne de côté, qu'on soit vraiment
sur quelque chose de partagé. Et là, on vous a mis, alors on pourra vous diffuser des documents, mais que vous compreniez bien un peu comment cette association, elle fonctionne. Voilà, il y a l'équipe opérationnelle, mais pas seulement, en fait. Il y a plein d'autres organes de consultation ou même d'action hein, dans le projet. Vous avez effectivement, comme on est une association, il y a un comité d'administration, l'Assemblée 2028. Donc, on vous encourage à adhérer à l'association. C'est gratuit. Vous pouvez faire partie de ce processus. On a une Assemblée des jeunes également, parce que justement, la jeunesse, c'est vraiment un gros enjeu de cette candidature. Donc, on voulait aussi réunir ces jeunes autour de la construction de cette candidature-là. Des comités de soutien, les adhérents, l'atelier des mécènes, ça c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est important dans ce type de candidature d'impliquer aussi le tissu économique local, parce que c'est aussi dans l'intérêt de ces entreprises de s'engager dans la mutation territoriale d'une ville. Et puis les porte-voix qui sont en fait les ambassadeurs du projet dans leur quotidien en fait. Voilà, donc l'Assemblée des jeunes, j'en ai parlé, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc l'atelier des mécènes, voilà, où vous voyez les principaux mécènes du projet. On travaille également avec un comité scientifique et culturel hein, pour tout ce qui est des grandes orientations du projet, pour aussi partager l'expérience de ces personnes. Alors il est très diversifié justement ce comité. Nous on met l'accent déjà sur la diversité des profils des personnes qui le composent en fonction de leur expérience, mais aussi on s'attache à une parfaite parité homme-femme et pour qu'il y ait des jeunes aussi qui soient représentatifs dans le projet. Donc, qui vont nourrir la réflexion, en tout cas réfléchir sur des pistes de projets, enfin dans le cadre de la candidature, mais qui seront après soumises aussi à discussion avec les habitants, avec les parties prenantes. Et donc juste, comme je vois je vais un peu vite, juste vous décrire un petit peu l'action qu'on a sur cette année-là. Donc nous, notre enjeu vraiment, c'est d'embarquer les habitants, les citoyens, les parties prenantes. Donc le slogan, c'est « Ensemble, construisons la capitale ». Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a eu tout un tas de dispositifs pour aller à la rencontre du public, parce que c'est vraiment important de recueillir un peu l'avis des personnes sur cette candidature, sur justement tu parlais du Massif central, de cette définition sensible, c'est de dire voilà qu'est-ce que pour vous le Massif central, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que vous pensez de cette candidature. Donc voilà, on était présents à travers plusieurs dispositifs dans la ville et là on a plusieurs événements, des temps forts de la candidature à venir. On a entamé, alors comme on est sur un périmètre qui est relativement étendu, on a entamé vraiment une tournée dans le Massif central pour aller à la rencontre des acteurs, en particulier des acteurs culturels, mais aussi des collectivités, des institutions. Et puis, on va avoir, donc Guillaume en parlait juste avant, mais la Manufacture 2028, qui est en fait une série d'ateliers avec des acteurs locaux sur des thématiques. Donc ça, vous retrouverez tout, évidemment, sur le site internet. Et en mai, un événement, le sommet des sommets. Alors voilà, on a... ça caractérise bien cette échéance de décembre. Là, on arrive à cette échéance. Donc là, l'idée, c'est vraiment de réunir sur quatre jours, en fait, place de Jaude, et de faire des temps avec les professionnels, de rendre compte, en fait. L'idée, c'est ça, de rendre compte auprès du grand public, des professionnels, de tout ce qui a été engagé pour la construction de cette candidature. Donc voilà, c'est de revenir sur les principales étapes, de revenir un petit peu sur les, comme on le fait un peu maintenant, les enjeux et sur les grandes orientations du projet, quelque part, et de le mettre à l'épreuve des discussions, de voir si on a vu juste ou s'il faut réorienter certaines choses. Et puis, évidemment, des journées de programmation artistique pour le public, avec une place faite la jeunesse, avec beaucoup de choses réalisées, en particulier avec 1000 formes, des petites formes sur la place de Jaude, mais aussi une programmation artistique. Donc ça, vous trouverez toutes les informations pour arriver justement à la rédaction de ce dossier. Un exemple, puisqu'on est dans une faculté de droit, une école de droit plutôt, un exemple sur les problématiques
et le travail de création, d'invention et de conceptualisation en fait, qui peut se passer pendant les manufactures dont Violaine vient de parler. Un exemple. On va organiser donc l'une de ces séquences en fait de travail qui est organisée à Brive justement va être consacrée aux images, au cinéma, notamment le cinéma. La question va être comment dans un territoire qui est notamment marqué par l'hyper-ruralité, comment ce secteur peut inventer de nouvelles formes, de nouvelles modalités de développement et d'action pour faire en sorte qu'il y ait vraiment des projets liés à ce territoire qui puissent être transposables à l'échelle européenne. Dans la diffusion, par exemple, comment travaillent actuellement les cinémas d'arrêt d'essai labellisés dans les petits territoires. La diffusion dans ces cinémas, la diffusion dans les festivals, comment les festivals vivent dans les villes grandes, petites, moyennes et petites, voire très petites. Je pense à un festival comme Plein la Bobine à la Bourboule, mais qui fonctionne bien avec un très haut niveau. Comment les productions cinématographiques peuvent venir. Alors, c'est très facile de faire venir une production cinématographique à Clermont-Ferrand, mais ensuite, comment les territoires peuvent vivre dans les films eux-mêmes. Et donc, parce qu'un territoire dans lequel il n'y a pas de tournage est un territoire qui, effectivement, n'existe pas, ou n'a pas de réalité documentaire, en tout cas. Donc voilà, ce sont des questions qu'on va poser. Et la problématique qui se pose, c'est que ce secteur-là est très accompagné par des politiques régionales. Et vous allez voir la problématique qui se pose. Si on prend, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine, dans les règlements d'intervention des productions cinématographiques de Nouvelle-Aquitaine. Pour qu'un projet de film soit éligible, il faut qu'il y ait une attention particulière portée à la francophonie, pour un caractère francophone de la production. Lorsqu'on est en Occitanie, donc bande qui comporte, je crois que c'est 4 ou 5 départements du Massif central, donc Occitanie, quand la région Occitanie accompagne les productions cinématographiques, il faut que, dans les critères, participer au développement de la création audiovisuelle de qualité, au renouvellement de la diversité culturelle et aux échanges internationaux, notamment dans le cadre de l'euro-région Pyrénées-Méditerranée. Donc les uns mettent en avant le caractère francophone. Là, il faut que ce soit dans le cadre de l'euro-région. Et le soutien aussi dans le règlement d'intervention cinéma de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a un autre type de préconisation. Il faudra que soit garanti le caractère culturellement européen des œuvres. Celles-ci devront être réalisées essentiellement avec le parcours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens, collaborateurs, création de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière, etc., etc., etc. Donc on a trois entités qui financent la création cinématographique, qui ont des partis pris différents. Et pour autant, on touche ce territoire du Massif central. Donc nous, on est dans une position de comment on réunit ces opérateurs-là et comment on essaie de faire une espèce de synthèse en considérant que l'argent vient sur des critères qui sont un petit peu différents et où l'Europe n'est peut-être pas forcément toujours placée très très en avant. Donc, et pour autant, dans ce territoire marqué notamment par l'hyper-ruralité, eh bien, il faut bien que le secteur vive. Et donc l'idée, ça va être de faire se rencontrer des professionnels issus de ces différentes régions, éligibles à ces différents dispositifs, et comment on travaille ensemble, et comment on peut échanger des expériences et pouvoir peut-être créer un modèle sur ce territoire-là. Donc là aussi, c'est de la dentelle, c'est de la création, et c'est de la prise en compte des structures effectivement administratives elles-mêmes. Alors, maintenant qu'on vous a bien parlé de la construction, enfin comment on est organisé, on va vous donner quelques enjeux principaux, en tout cas ce qui est ressorti de tous ces groupes de travail et de toutes ces rencontres avec les habitants, avec les parties prenantes, des enjeux qui ont été définis justement pour apparaître dans ce projet de candidature, ou en tout cas des thèmes qu'il va falloir qu'on traite. Le premier, c'est vraiment de donner vraiment une place à la jeunesse et à l'intergénérationnel. C'est vraiment ce qui est ressorti très fortement dans les consultations.
c'est que finalement, on s'attache souvent à faire des événements pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les personnes ceci, comme ci, comme ça, et qu'on ne pense pas finalement la globalité de faire un événement où finalement, qui pourrait être adapté à tous les publics et qui justement serait à l'origine de cette rencontre, en tout cas de ces échanges avec les publics. Donc ça peut passer par des résidences d'artistes, ça on le voit et on le fait, enfin ça se fait déjà beaucoup, mais, et tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, le Massif Central c'est vraiment une zone aussi qui est très rurale. Donc comment on fait quand on est éloigné des grands centres, en tout cas des institutions culturelles, comment est-ce qu'on a accès finalement à la culture ? Est-ce que c'est par des dispositifs mobiles ? Est-ce que justement cet éloignement a favorisé du coup l'émergence de pratiques nouvelles ou en tout cas de pratiques innovantes, hein, c'est souvent ce qu'on observe dans les territoires ou hybrides, on n'a pas le choix en fait que de mixer, que d'avoir de l'intergénérationnel et que de mixer les pratiques. Ça peut être, on a parlé beaucoup des épiceries culturelles par exemple dans les villages où c'est à la fois le lieu de rencontre, le café, le petit café, et puis en même temps un lieu d'exposition, de concert. Enfin voilà, c'est des modèles comme ça qu'on aimerait garder en tête. La mobilité, effectivement, voilà. La mobilité physique et la mobilité des idées. Exactement, les nouvelles formes, les nouveaux modèles. Voilà, on l'a dit un peu en préambule, mais on est sur un projet pour 2028. Donc voilà, il faut s'emparer de ces nouvelles technologies aussi, comme pas seulement comme comment dire intermédiaire avec le public, mais aussi dans la création elle-même, la création artistique elle-même. C'est vrai que ça évolue vraiment très vite et ça offre de nouvelles possibilités. Donc c'est comment est-ce qu'on accompagne ça ? Démocratisation culturelle, ben ça c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ce projet-là. Et puis, comment est-ce qu'on embarque ces territoires dans l'aventure ? Voilà, c'est vraiment les enjeux qui vont être les enjeux principaux. Et puis, on vous a mis aussi les axes transversaux qui sont apparus aussi quand on a parlé vraiment à tout le monde, voilà, de cette métropole, enfin de ce territoire. Qu'est-ce qui est ressorti ? Et une des premières choses, ça a été de dire que voilà, on est sur une métropole à taille humaine. On veut défendre quelque chose à nous, dans un modèle, voilà, dans une époque un peu troublée. On pense qu'il y a quelque chose à défendre dans ce territoire, c'est-à-dire une façon de vivre peut-être un peu moins oppressante. On parle d'une métropole à taille humaine, mais c'est un peu ça. On parlait aussi beaucoup de la métropole du quart d'heure, c'est-à-dire qu'en un quart d'heure, on est hors de la ville, on a accès à la nature très facilement. Enfin, il y avait beaucoup de ça. Et à partir de ça aussi, on parle aussi du bien vivre, c'est-à-dire aussi de l'hospitalité. Comment est-ce qu'on reçoit sur ce territoire ? Comment on a cette tradition d'hospitalité ? Comment on prend soin, en fait ? Et comment on prend soin, mais de manière très large ? Comment est-ce qu'on... Voilà, tu as parlé du thermalisme, voilà. Effectivement, à cette spécificité du Massif Central qui est d'avoir un maillage très important de villes thermales. Et lorsqu'on voit comment est en train de se renouveler le secteur, il se renouvelle dans tous les compartiments de l'action qui peuvent concerner le dossier de capitale européenne. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'abord un renouvellement industriel, c'est-à-dire quand vous prenez les grands termes de la Bourboule, pas très loin d'ici, avec... des engagements prochains extrêmement importants de financement très haut pour refaire complètement les grands termes. Mais derrière cela, il y a aussi de l'urbanisme, il y a aussi un renouvellement de l'accueil avec des plans assez importants de renouvellement de l'hôtellerie, par exemple. Mais ensuite, derrière cela, vous avez aussi, dans ces villes-là, toujours, assez souvent, des jardins qui ont été des jardins botaniques également. Les établissements de soins ne sont plus que des établissements de soins, mais sont des établissements aussi dans lesquels la question du bien-être est importante également. Ces villes qui sont toutes pratiquement pour l'essentiel des villes champignons, des villes complètement inventées, qui ont émergé de rien, qui ont complètement poussé à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, et qui, sur le plan de l'urbanisme, étaient des lieux tout à fait étonnants et étranges, et dans lesquels les perspectives ont toutes été réfléchies en fonction d'une esthétique très particulière, où tout est de plein pied. Donc on est sur de la ville douce, déjà dans ces villes douces.
Et on s'aperçoit que ces villes continuent et ont envie de travailler à nouveau sur ces notions-là, en les mettant très en avant. Derrière cela, ce n'est pas étonnant que dans le Sensi, vous ayez en plus des opérations comme Horizon Sensi, où on intègre l'art contemporain dans, dans une programmation où chaque été, on peut venir voir entre 15 et 20 œuvres qui ont pour vocation de mettre en avant le paysage, c'est-à-dire que l'œuvre prend en compte le paysage, donc d'œuvres plastiques, et où dans des projets de renouvellement urbain dans ces, certaines de ces stations thermales, vous avez également l'intégration de festivals, de dispositifs d'artistes en résidence, donc résidence de création, et qu'est-ce que c'est quand on a une résidence, on a à la fois les artistes qui viennent, mais en plus on a la production d'œuvres artistiques également. Tout ça est une entité complète, et en plus, on entre dans des périodes de redécouverte de ces espaces qui sont de moyenne montagne ou demi-montagne, faciles d'accès, et dans lesquels sont invités plutôt les familles, avec un objectif de faire baisser d'à peu près une vingtaine d'années le l'âge moyen de fréquentation du public. Donc voilà, on est dans un tout, mais dans lequel, effectivement, la donnée culturelle est une donnée éminente et prise de manière tout à fait éminente. Et donc, avec un questionnement sur les lieux de diffusion, sur les théâtres, sur les opéras, sur les festivals, et le moment du festival, et le temps du festival. Et ça, c'est un marqueur spécifique, effectivement, des villes thermales, qui en plus, évidemment, alors je reviens dans mon périmètre, qui sont en plus des lieux patrimoniaux. Ils sont en plus des lieux patrimoniaux parfaitement identifiés, et par les services de la DRAC, les services de la conservation, voire les services d'archéologie aussi pour certaines d'entre elles, je prends le Mont d'Or par exemple et quelques autres, où là aussi vous avez le travail de réinstitution et d'archéologie, en plus renvoyant à des programmes de recherche en lien avec la fondation de l'université de l'UCA, et archéologie non invasive, donc archéologie 2.0, où on travaille au questionnement de restitution du temple du Mont d'Or, par exemple, pour faire en sorte que les touristes puissent en plus découvrir le temple du Mont d'Or en 3D. Voilà. Donc tout ça se mêle. Et en plus, comment dire, ce grand laboratoire qu'est le Massif Central pour cette stricte question du thermalisme se fait aussi dans un cadre européen, puisque la question du thermalisme est aussi un questionnement européen qu'on retrouve en Italie, en République tchèque et dans quelques autres villes également, qui pourraient bénéficier de ces inventions ou de ces modèles qui pourraient être créés à notre échelle. Et puis très lié à ça, forcément, l'identité volcanique de ce territoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti aussi beaucoup. Comment est-ce qu'on inclut ça justement dans cette candidature par la pratique artistique? Il y avait la question de l'eau souterraine, de l'eau qu'on ne voit pas. C'est vrai qu'à Clermont, on n'a pas de fleuve visible, mais on a cette eau partout présente, ces fontaines, ces caves dans les caves. Donc la question de l'identité, en tout cas l'ADN assez fort, assez marqué. Le lien aussi entre l'urbain et le rural, ça c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est-à-dire comment est-ce que ces deux espaces finalement dialoguent ensemble. Comment est-ce qu'on traite aussi ces zones un peu tampons, un peu abandonnées, qui sont les périphéries finalement, qui ne sont pas totalement urbaines, pas totalement rurales. Ça c'était une discussion aussi qui était très intéressante, enfin en tout cas un champ à explorer très intéressant, notamment via les promenades métropolitaines artistiques, pourrait être mise au goût du jour. Et puis forcément, l'héritage ouvrier revendiqué de la ville, on a parlé beaucoup de sa mutation, et c'est vrai que dans cette mutation qui s'opère, comment est-ce qu'on garde aussi témoignage finalement de cet héritage ouvrier? Et qui est un propos qui ne concerne d'ailleurs pas que Clermont-Ferrand, alors c'est justement là où la notion de Massif Central est intéressante, c'est que vous pouvez effectivement reproduire l'analyse à Thiers avec la coutellerie, à Saint-Étienne ou à Tulle avec les armes, au territoire d'Ambert ou du Puy avec les textiles ou les corneries ou le papier. Et c'est vrai que, et dans tout un tas assez important de villes, cette question effectivement de l'héritage ouvrier, des pratiques professionnelles, mais aussi du patrimoine du XXe siècle, c'est-à-dire du patrimoine industriel, se pose avec les reconversions des friches industrielles. Donc dans ces villes et dans ce territoire se pose de manière importante et là aussi c'est un espace de questionnement aussi et de recherche.
Les chemins de Compostelle, c'est vraiment un, comment dire, un, ça innerve vraiment le Massif central et nous permet ensuite de descendre vers la Nouvelle-Aquitaine et après vers l'Espagne. Mais tout à fait, et des chemins bien référencés d'ailleurs, avec un parcours patrimonial d'exception, aussi bien naturel que bâti. Vous parliez effectivement des diamants du Massif central, effectivement, autour de Clermont-Ferrand, si on commence par le Centre national du costume de Seine à Moulins, qui est une très grande maison, la cité de la tapisserie à Aubusson, qui est une cité de la tapisserie, c'est-à-dire que ce n'est pas un musée, hein, c'est un lieu où on conserve, mais aussi où on conçoit. Il y a les gobelins, c'est aussi un lieu d'incubation d'entreprise, un lieu de formation, un lieu de développement également, avec des start-up qui se créent autour de créations très particulières en termes de tapisserie. On descend ensuite, si on commence à prendre les festivals, là aussi Bassivière avec l'art contemporain, et quelques autres sites comme Mémac par exemple, qui sont des places de premier plan en termes d'art contemporain. Après on descend effectivement sur la Corrèze, le festival de la Vézère, qui est le pendant en fait du festival de la Chaise-Dieu, complètement de l'autre côté, côté Haute-Loire. Descendons au musée Soulages, remontons ensuite vers effectivement la Chaise-Dieu par exemple, Thiers cité Coutelière, le Puy avec toute l'histoire de la dentelle et un conservatoire au musée Crozatier qui est exceptionnel là-dessus. Mais la dentelle du Puy répond au tulle à Tulle également. Donc, et le propos du textile d'ailleurs est très important dans le Massif central, avec le musée du textile et un projet de, notamment près de Château Chinon. Donc effectivement, il y a la possibilité, et évidemment dans les festivals, alors le court-métrage à Clermont est quand même structurant, un autre festival à le Jean Carmet à Moulins également. Voilà, donc l'intérêt de ces territoires est d'avoir des pépites qui sont en plus très liées au Massif central proprement dit, justement. Vous avez, juste une chose, vous aviez raison effectivement avec cette particularité de la métropole de Limoges, qui est plutôt tournée pour tout un tas de raisons vers Poitiers et Orléans, mais plutôt Poitiers maintenant, et puis la recomposition Nouvelle-Aquitaine accompagne aussi en cela. Mais là aussi, il faut prendre en compte des données sociologiques. Si vous prenez le réseau de la presse quotidienne régionale, la PQR par exemple, bon, en Creuse et en Corrèze, vous lisez La Montagne, vous achetez le journal encore, quotidien. Sauf qu'en Haute-Vienne, vous lisez Le Populaire. Et donc là, déjà, on a des petites différences. On voit qu'on ne regarde pas du même côté. Hein, c'est ça. Donc, cette candidature, c'est la prise en compte, effectivement, de cette espèce de dentelle très, 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 très particulière. La question du train, nous, on a pris le parti, justement, on a fait le pari de défendre quelque chose. Le slow, en fait. Donc on se dit, voilà, c'est long d'aller à Clermont, c'est aléatoire, mais justement, pourquoi ne pas en profiter pour développer quelque chose autour de ça, autour du train? On a développé beaucoup de podcasts, vous pouvez voir sur le site internet un podcast qui s'appelle La Chaîne des Chaînes, par exemple, où on met en lumière voilà, des productions du Massif central. Donc on se dit, pourquoi pas réfléchir à un objet culturel, justement. Ben oui, quand on va à Clermont, c'est long, mais alors profitons de ce temps, justement, pour déconnecter et proposer voilà, un contenu artistique et culturel dans le train. Du Paris Clermont, mais qui a la vertu d'exister encore, mais on ne peut que regretter l'absence de l'ancien Lyon-Bordeaux. Et du fait que vous partez à Clermont, vous partez de Clermont et vous voulez aller à Brive, tout simplement, et bien c'est plus possible aujourd'hui en train. Ça n'est possible que de manière tout à fait parcellaire, depuis Brive jusqu'à Ussel à peu près, et puis après c'est un bus qui revient jusqu'à Clermont. Le seul problème, c'est que vous partez de Lyon, vous montez. Elle est merveilleuse, cette ligne, c'est qu'elle contourne totalement les départements du Massif central. Voilà. Complètement. C'est-à-dire qu'elle monte, donc elle part de Lyon, elle monte jusqu'à Limoges, et de Limoges, elle va à Périgueux. À Périgueux. C'est-à-dire qu'elle, je crois qu'à aucun moment, elle ne grignote le Puy de Dôme, et à aucun moment, elle ne va sur la Corrèze. Donc, territorialement, c'est. Alors que les rails sont en état correct jusqu'à l'accueil, tout s'arrête et on part ensuite à Ussel. Bon. Donc là, il y a effectivement quelque chose à réfléchir en considérant que dans cette université, il y a quand même des étudiants qui relèvent, bon, évidemment, territorialement de l'ex-Auvergne,
mais de Corrèze également, puisque quand on est sur un territoire comme Brive, post-bac, on peut choisir à la fois entre Limoges, Bordeaux, Toulouse et Clermont-Ferrand. Certains font le choix de Clermont-Ferrand, et tout à fait, et en même temps d'ailleurs, si on prend des pratiques sociales, à partir de, allez, Ussel et même un petit peu avant Ussel, hein, voilà, Meymac et Égletton, lorsqu'on va à l'hôpital, on ne va pas forcément ni à Brive ni à Limoges, mais on va plutôt au CHU de Clermont. Idem ensuite, quand on se pose la question de si je dois aller voir un spectacle dans une scène labellisée, la scène labellisée la plus proche quand on est sur ces territoires-là, on est à une heure de la scène nationale Tulle-Brive qui s'appelle l'Empreinte, mais on est aussi, via la 89, à une heure de la Comédie de Clermont. Donc là aussi, on est dans ces espèces de lignes de partage des eaux. Comment on travaille, comment on va, en considérant que la scène nationale, l'Empreinte à Tulle-Brive, met en place des propositions d'autobus pour venir chercher le public. C'est très pertinent et c'est une réflexion qui est menée notamment à l'échelle des parcs naturels régionaux dans le Massif central. C'est vrai que comment est-ce qu'on offre la possibilité aux visiteurs d'accéder à un site naturel sans le dénaturer? Je sais qu'en ce moment, ils sont en train de travailler justement à tout ça, à proposer quelque part un genre de guide pour les événements culturels, parce qu'on t'a cité tout à l'heure Horizon Sancy. Horizon Sancy, c'est un superbe événement et ils sont confrontés à ça parce que avec leur programmation, parfois, ils se rendent compte de l'impact en fait des visiteurs sur ces territoires et ils se posent cette question de se dire à quel moment on n'est pas dans la bascule où vraiment on dénature plus qu'on fait connaître un territoire. Et donc, c'est des réflexions qui sont menées et qui sont au centre des problématiques et qu'on se pose aussi dans le cadre de la capitale culturelle parce que forcément, une visibilité plus grande va attirer des touristes supplémentaires. Donc c'est comment on arrive à gérer ça avec, j'ai envie de dire, avec intelligence. Et justement, l'idée, ce n'est pas de densifier, de faire du tourisme de masse dans nos espaces naturels, mais c'est peut-être de le faire intelligemment et surtout toujours en construction avec justement les usagers. Je sais que le Parc des Volcans est sur cette démarche-là actuellement, justement, de proposer aux organisateurs d'événements culturels et sportifs une sorte de charte, enfin de définir une sorte de charte pour... dans le cadre de la candidature, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, de toute façon. Et l'aspect, au-delà de ça, l'aspect environnemental, il est, j'ai envie de dire, de premier plan dans cette candidature. Parce qu'on est sur 2028, vous imaginez les enjeux climatiques, en tout cas environnementaux, en 2028. Si on présente un dossier maintenant qui ne prend pas en compte ça, ou en tout cas qui le prend en compte de manière cosmétique, on va dire, où on sera complètement à côté de la plaque. Donc c'est quelque chose, le bilan carbone, par exemple, de la candidature, il faut absolument qu'on puisse l'évaluer, qu'on puisse dire notre programme, ce qu'on propose, voilà ce que ça va occasionner. Il faut vraiment qu'on soit dans cette démarche-là de manière intense, quoi. Et même, j'ai envie de dire, que ce soit... un des premiers de nos critères, quoi, l'impact environnemental, l'impact même sociétal aussi de ce projet-là, ce que ça va impliquer en termes d'impact. Ouais. Et peut-être sur la seconde partie de votre question sur les retombées, en tout cas sur la répartition des événements, c'est vrai que une ville porte un... Quand une ville porte du coup le projet, capitale européenne, c'est toujours la ville qui porte, même si elle décide d'associer un périmètre, c'est quand même la ville qui est candidate. Par contre, c'est vrai qu'on peut prendre un peu cette métaphore finalement de... On a un épicentre à Clermont-Ferrand qui va aussi cristalliser et on va avoir autour de ça des cercles un peu concentriques, des partenariats. Tout à l'heure, je citais effectivement les pépites du Massif central. Il est bien évident qu'en 2028, toutes les structures que j'ai citées et pas mal d'autres vont être invitées à ce que dans leur programmation, donc dans leur projet de service ou programmation de l'année, il y ait donc un plus, un marqueur, une réalité un peu augmentée du fait qu'on sera dans l'année de capitale européenne. Donc ça veut dire aussi que dans la communication, parce qu'il y a une notion de communication importante pour attirer le regard à l'échelle européenne sur ce territoire-là, donc ces différents opérateurs culturels vont bénéficier d'une communication importante
sur leur activité. Donc ça, ce sont des, ça c'est une tombée tout à fait objective et identifiable. Et puis aussi le porteur de projet, donc l'association, la ville, en tout cas qui porte le projet de capitale européenne, eh bien, pourra venir accompagner, contribuer financièrement à de l'amorçage ou compléter une programmation, l'aider en tout cas à avoir un, à pouvoir augmenter sa programmation en 2028 et venir apporter ce complément qui permettra de faire davantage, de faire plus ou de faire mieux. Comme c'est un projet européen, l'Europe cherche à travers ça à montrer des choses, à démontrer des choses. Et peut-être que ce qu'on va imaginer là, eh ben, il pourra parler à une zone qui est un peu similaire à la nôtre dans un autre pays. Ça peut être, voilà, ça peut faire écho à des choses. Le modèle qu'on va développer avec cette candidature, il pourra être peut-être transposable en partie sur des zones qui ont les mêmes problématiques que nous. Voilà, des zones, on l'a exploré un petit peu nous avec une programmation dans le cadre du Forum des Massifs où on avait invité des artistes européens justement, des artistes grecs, du Portugal et un autre, je me souviens plus de l'autre pays, mais justement à essayer de voir quels sont les points communs entre différentes régions européennes et comment ce massif central finalement il peut faire écho dans d'autres pays sur des problématiques, sur l'émergence artistique, sur justement l'impact environnemental, quelles solutions ont été imaginées ailleurs, enfin voilà, on est vraiment dans un échange aussi de bonnes pratiques ou en tout cas un échange d'expérience aussi avec les autres pays. Donc il y a la phase de préparation de la candidature, du projet de candidature, mais si on est retenu, il y a effectivement la phase de réalisation. Et là, dans cette phase de réalisation, c'est là aussi qu'on pourra aussi solliciter les parties prenantes, les associations, le secteur éducatif, tout ce qui est social, enfin voilà, tout le monde économique, où là on pourra développer ça. Alors, bah, du coup, si on est retenu, on le saura donc fin 2023, du coup, ou début 2024, et ensuite on a 4 ans, hein, si je calcule bien, jusqu'en 2028, ouais, 4 ans pour mettre en œuvre. Vous allez nous, voilà, vous avez Amiens, là, Bastia en Corse, Bourges, qui est pas très loin, nous, Nice, Reims, Rouen. Et Saint-Denis, région parisienne. Ben souvent dans les équipes de capitale européenne de la culture, comme ça, c'est quand même des projets qui sont assez costauds et très transversaux. Donc qui mettent un peu, qui bousculent un peu l'ordre établi, hein, c'est ça. Donc puis, c'est parfois difficile, on se heurte parfois à des façons de faire, enfin, des gens qui n'ont pas envie de changer leur façon de faire, ça arrive, des gens qui ne voient pas l'intérêt du collectif et qui sont aussi sur leurs intérêts, ce qui est aussi compréhensible. Enfin, il y a plusieurs raisons et voilà, qui font que c'est parfois un peu... On vous a parlé de différentes étapes dans une candidature. Vous avez l'étape de la pré-candidature, l'ancrage territorial pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion du public. Donc là, on demande un certain nombre de compétences, tout simplement, et puis d'appétence également aux équipes qui portent le projet. Ensuite, vous avez l'étape de la construction du projet, d'un projet qui va être capable de convaincre un jury de remporter un concours. Donc ça, c'est vraiment un objectif qui est de nature différente. Et une fois qu'on a remporté le concours, on se trouve dans la position d'un opérateur culturel en charge de bâtir à la fois le projet qui a été bâti, plus une année qui est une année à caractère festivalier. Donc ça veut dire que là, on est dans un troisième type de compétence qui est radicalement différent des précédents. Donc, il arrive parfois que dans le meilleur des mondes, on arrive à trouver les perles rares qui sont capables d'être du début jusqu'à la fin aux affaires et aux manettes sur la chose. Donc soit ce sont des personnes extrêmement compétentes dès le départ, qui connaissent tous les compartiments du jeu, soit ce sont des gens qui évoluent et qui se forment à ça, mais on demande même presque des approches différentes. Et c'est vrai qu'une équipe qui est faite pour emporter un titre n'est pas forcément l'équipe la meilleure. Voilà. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Les capitales européennes, on a une équipe qui prépare la candidature et une autre qui intervient pour la mettre en œuvre. Voilà. C'est assez... Et ensuite, d'ailleurs, troisième chose, c'est après 28,
s'il y a des dispositifs qui restent et qui se mettent en place, mais il faut les faire vivre ensuite. Alors ils le vivent par les institutions qui peuvent s'en emparer, par exemple, mais aussi, voilà, prenez le cas de Marseille. Il y avait une personne avec qui je travaillais dans une autre vie professionnelle. Elle était chargée du spectacle vivant et du théâtre dans le cadre de la candidature de Marseille. Une fois que, donc, passé l'année de Marseille, cette personne est devenue directrice de la culture de la mairie de Bordeaux. Mais avec un périmètre direct sur les lieux de diffusion et sur le spectacle vivant. Voilà. Donc, c'est une donnée, mais ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas systématique non plus. Mais dans ces opérations-là, c'est quelque chose qui peut tout à fait se concevoir. Deux ou trois, ça dépend. Pas jamais plus. En général, c'est deux, parfois trois, si vraiment une candidature retient l'attention en plus. Et puis, voilà, après, c'est un autre dossier à fournir, un grand oral, voilà, comme on l'a expliqué. Et quand on parlait effectivement de Saint-Denis, on dit oui, l'aspect patrimonial est important. Je dirais que toutes les villes ont du patrimoine. Bien sûr, oui. Toutes les villes ont du patrimoine, tous les territoires ont du patrimoine, tout le monde a ses... Sa route, oui, il ne faut châteaux, pas en faire l'élément. Voilà, des châteaux, bien sûr. Musées estampillés, donc musée de France, etc. Donc, bon, c'est parfait. On peut le valoriser de manière intelligente ou innovante particulièrement. Parfait, faire tourner les collections. Bon, mais c'est pour ça que je parlais du patrimoine immatériel. Et c'est là où on va commencer à trouver des choses intéressantes. C'est en travaillant notamment sur le patrimoine immatériel aussi, sans oublier l'autre, évidemment. Et c'est cette question-là qui permet vraiment d'ancrer une candidature dans un territoire et faire que le dossier soit non délocalisable, en fait. Alors nous, on est très très demandeurs voilà, d'action dans les universités. On a fait il n'y a pas très longtemps avec le DAMI un AK Campus étudiant autour des projets de la candidature. En fait, on a réuni des étudiants de plein de filières différentes, pas forcément culture d'ailleurs, en leur disant Clermont-Ferrand et capitale européenne, on est en 2028, c'est bon, on est capitale européenne. Quel projet vous aimeriez développer? On les a fait travailler toute la journée autour de ça. On a eu des choses très intéressantes. Et du coup, on aimerait continuer ça, ce genre de, voilà, ces implications-là, et même des présentations, des échanges. Enfin, on est très, très, très demandeurs. Alors, on doit être à peu près 250, il me semble, d'adhérents individuels. 250. Ouais, 250. Donc, on pousse, hein, on essaye de... Parce que plus on a d'adhérents, mieux c'est pour nous, pour cette candidature, pour que ça ait du poids. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On doit rencontrer à la fois le président et un certain nombre de ses vice-présidents dans une dizaine de jours pour justement identifier, on l'a déjà fait, on a déjà commencé à travailler là-dessus, certaines filières très particulières qui pourraient être valorisées dans le cadre de la candidature. Je parlais effectivement de l'archéologie 2.0, je parlais d'une prochaine chaire dédiée au thermalisme, on parle d'un laboratoire, donc on travaille sur le patrimoine et sur le patrimoine immatériel, mais aussi on a un laboratoire qui travaille sur le matrimoine aussi. Voilà. Donc ça, c'est une donnée qui peut être tout à fait intéressante rapportée à nos territoires. Voilà, on a la politique de relations internationales qui est d'ailleurs portée par une vice-présidente qui relève de l'école de droit également, Marie-Élisabeth Baudouin, va être effectivement mise en avant de manière éminente, hein, toutes les collaborations qui peuvent exister et que le fait d'avoir le titre de capitale européenne permettrait d'appuyer, d'épauler, d'accompagner, font partie de ces éléments-là. Beaucoup de ces villes sont des villes universitaires, toutes quasiment. Mais ce qu'il faut, c'est identifier, 40 000 étudiants ici, c'est identifier les 2-3 filières qui peuvent être intéressantes à valoriser, à développer, et pas que métier de la culture. Hein. Et en considérant aussi qu'une université, dans ses composantes, peut avoir des composantes ou des services qui ont vocation à devenir, et c'est le cas du projet de l'établissement, des opérateurs culturels. C'est-à-dire des opérateurs culturels. Il y a un projet de tiers-lieu à l'UCA, il y a le SUC qui est un établissement très ancien et qui a une pratique qui est reconnue au plan national, qui marche très bien, et donc son travail a vocation à être développé et augmenté.